Bonjour à tous et bienvenue à vous au grand rendez-vous Europe 1. c News. Les échos, deux invités, deux élus, deux visions différentes en ce dimanche. À partir de 10h30, le député RN de la Somme, Jean-Philippe Tanguy, il dénonce les mesurettes de Gabriel Attal pour défendre les paysans et s'insurge d'un double discours à la fois à Paris et à Bruxelles. Mais tout d'abord, il est député renaissance des Yvelines. Il est un proche d'Emmanuel Macron, ancien maire de Poissy. Bonjour à vous, Carl-Olive. Bonjour, Sonia. Et merci de votre présence. Vous connaissez bien les enjeux et les défis de la paysannerie française. Vous soutenez l'action de l'exécutif qui fait face à une crise désormais qui s'installe. Pour vous interroger sur tous ces sujets, je suis entourée de mes camarades, Stéphane Dupont des Échos. Bonjour à vous, Stéphane. Bonjour. Et Mathieu Bocoté, bien sûr. Bonjour à vous, Mathieu. Bonjour. Carl Olive, la colère des agriculteurs ne retombe pas. Gabriel Attal sera tout à l'heure dans une exploitation bovine en Indre-et-Loire, dans un, un village, mais rien n'y fait. La FNSEA et les jeunes agriculteurs promettent un siège de la capitale pour une durée indéterminée à partir de demain à 14h, et également le blocage de Rungis. Comment l'élu que vous êtes, le député, l'ancien maire, juge ces actions et ce regain de tension aujourd'hui j'ai envie de dire que Gabriel Attal, qui a été nommé il y a 15 jours, on est en période d'épiphanie, c'est une, une fève tous les jours dans la galette. Euh, la première chose, c'est que souhaitent les agriculteurs en France. Peut-être rappeler qu'il y a 150 agricultures différentes en France. Ils souhaitent être payés au juste prix. Et je le dis en connaissance de cause, puisque je suis issu d'une famille fermière dans le Finistère Sud, à Spézet. Ils souhaitent être finalement payés au juste prix. Ils souhaitent qu'il y ait de la réciprocité entre les droits et les devoirs, que les règles soient les mêmes. En France et en Europe. Et il souhaite surtout, pardonnez-moi l'expression, qu'on arrête de les emmerder avec les normes euh, qui sont comme des bottins. Et alors, est-ce que ces points, cet argumentaire est bien compris par l'exécutif Est-ce que, le, selon vous, le gouvernement mesure l'ampleur de la crise Parce que là, imaginez-vous Paris ou, ou d'autres villes, mais bloquées euh, pour plusieurs jours. Quel spectacle cela va-t-il donner D'abord, euh, moi, je veux aussi balayer devant, euh, devant notre porte. Euh, il est temps. Il est temps, et ce n'est pas depuis hier que je le réclame, vous le savez, Sonia Mabrouk, il est temps de changer de logiciel dans ce pays, euh, d'aller sur le terrain. Euh, je le disais l'été dernier dans une tribune, allons sentir le cul des vaches, allons prendre la température du terrain. Et force est de constater que depuis 15 jours, c'est ce que Gabriel Attal fait. C'est pas, pas simple. Ça ne marche pas Bien sûr que ça faut. Bah non, ça ne marche pas, puisque le, le blocage continue, le mouvement continue. Non, mais Monsieur dit. Dupont, vous savez, ce n'est pas un claquement de doigts. Hein. Mmh. Ce n'est pas quelque chose qui date d'hier, ça date pas de 10 ans, ça fait 20 ans. Les agriculteurs, ils sont au bout du rouleau. Ils sont au bout du rouleau. Il faut arrêter de, de, de mettre le mot défiance avant le mot confiance dans ce pays, dans ce monde agricole. Comme Allez les voir, sur d'autres sujets, manifestement, les mesures qui ont été annoncées vendredi ne satisfont pas une grande Monsieur partie. Monsieur Dupont, de... excusez-moi, ça fait 48 heures hein, que les mesures ont été euh, annoncées. Il y a des mesures malgré tout qui vont euh, dans le bon sens. Et je vais vous donner un exemple. Je vais essayer d'être très clair. Euh, J'ai eu le préfet de la Nièvre encore ce matin, euh, Michael Galli, qui m'expliquait que les mesures annoncées vendredi étaient exactement celles que lui-même avait eu en retour de la part des agriculteurs qu'il avait rencontrés il y a deux et trois semaines. Donc ça va dans le bon sens. Tout n'est pas parfait. Et vous allez voir que le Premier ministre va annoncer un certain nombre de mesures. Certainement aujourd'hui, demain, lors de la politique générale, le ministre Marc Fesneau continue d'être à la rencontre. Tout n'est pas parfait. Et ça va passer en un claquement de bois. Alors j'entends, je, vous, vous vous dites de votre solidarité des agriculteurs, vous dites que les mesures viennent, mais pour l'instant, l'enjeu, vous me pardonnerez de le rappeler, c'est la possibilité que Paris soit assiégé. Ce sont les termes pendant plusieurs jours, de manière euh, pour une période de temps indéterminée. Pour vous, une, un tel siège serait légitime Mais euh, ce ne euh, sont pas des voyous, les agriculteurs ce sont des gens responsables. Qu'est-ce qu'ils ont à perdre Vous voyez, euh, les agriculteurs, les tracteurs euh, défiler, aller euh, comme ce fut un temps avec les black blocs là, euh, défoncer des juristes, etc. C'est absolument, euh, c'est absolument pas. Qu'est-ce que vous entendez alors par euh, siège responsable de Paris je dis, je dis simplement qu'il faut prendre la mesure de la situation et, et c'est ce qui est fait. Il faut encore une fois qu'on arrête. Je vais vous donner des exemples précis d'emmerder les agriculteurs. Un exemple la taille des haies, la taille des haies. Euh, la famille Gousseau, qui est euh, agriculteur aux aluelles dans ma circonscription, m'expliquait on n'ose même plus planter un arbre. Vous connaissez le jeu des 7 familles Il y a 14 réglementations. Donc c'est deux fois le jeu des 7 familles, avec le code de l'urbanisme, le code du patrimoine, le code de l'environnement. Est-ce qu'on peut faire confiance dans ce pays avant d'être systématiquement en présomption de culpabilité C'est ça qu'attendent notamment les agriculteurs. J'entends je, ce que vous dites. Vous parlez de, sur la question de fond, mais là, il y a un enjeu politique qui n'est pas au détail, à moins que vous pensez que ce soit le cas. On dit, sur Plusieurs disent, nous allons assiéger Paris. Vous me dites, ce ne sont pas des Black Blocs, très bien. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'un siège responsable Qu'est-ce que ça veut dire, un siège qui serait tolérable pour vous Je, yeah. dis, je dis simplement qu'il faut respecter effectivement ce qui se passe parce qu'encore une fois le monde agricole est au bout du rouleau on a besoin, on a besoin de notre agriculture en France et c'est bien de le rappeler avant que effectivement, il y ait des circonstances atténuantes pour être très clair par rapport à ça après il faut faire preuve de responsabilité j'entends effectivement le fait d'aller sur un GIS c'est 30 de la distribution dans les commerces et dans les restaurations il faut être vigilant et je pense qu'il faut aussi que chacun d'une autre euh, de, 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 des groupements politiques d'ailleurs euh, comme du côté du monde agricole que chacun soit euh, responsable comme c'est le cas actuellement on parce en... que c'est le cas actuellement on entend votre appel à la responsabilité c'est le cas actuellement qu'est-ce que vous pensez car le livre de ceux et on va arriver sur le fond des mesures hein, et des doléances des agriculteurs euh, à, à gauche qui dénonce un, un deux poids deux mesures après la prise de parole du ministre de l'intérieur Gérald Darmanin qui a dit il y a des coups de sang légitimes et je ne vais pas envoyer en gros les, les CRS et les forces de l'ordre est-ce que vous dites oui on ne peut pas envoyer eh bien, ces forces de l'ordre face à des électeurs qui travaillent, comme vous le dites, et, et, et qui, euh, depuis des, des années, en fait, poussent ce coup de gueule. Moi, je veux juste te dire que la gauche, c'est formidable, parce qu'elle est toujours dans les commentaires. Ils ont une culture qui est magnifique, c'est la culture du yaka-faucon. À ça, pour commenter, ils sont là la gauche, l'extrême-gauche, ils sont toujours là pour bien commenter. Mais quand il faut, il s'agit de passer aux travaux pratiques, ils sont bien plus absents. Moi, j'aimerais qu'on fasse aussi preuve de responsabilité euh, à, à cet endroit-là. Pourquoi Parce ah bon, que... Ce sont eux les, les irresponsables. Non, je ne dis pas que ce sont les, les irresponsables, parce qu'on est tous, encore une fois... Euh, on, on, moi, je ne cherche pas des responsabilités des uns et des autres. On est tous, et je le dis, on balaye devant notre porte, y compris sur la majorité et présidentielle. Qu on, qu on je vais juste terminer, M. Dupont, s'il vous plaît. Euh, simplement, euh, je dis qu'il faut aussi arrêter... On parle, par exemple, du bio, avec... Euh, la gauche et l'extrême gauche et ces écolos qui se prennent pour des cowboys, euh, qui veulent systématiquement empiler des normes supplémentaires. Ben, formidable. Qu'est-ce qui se passe ben, Le prix de la tomate en Espagne est deux fois plus important ou presque que celui, euh, que celui de la France. Aujourd'hui, vous avez des agriculteurs qui n'osent même plus euh, à avoir le label bio. Pourquoi parce que c'est des emmerdes à la clé. Mmh. Il faut avoir des, des normes qui vont qui vont s'empiler et derrière, vous mais croyez pas, que ce sont... mais alors pourquoi on a tellement attendu Là, on voit euh, Gabriel Attal avec une botte de foin qui énonce ses mesures. Tout à l'heure, il sera dans dans ce village. Vous, vous aviez alerté au mois d'août dans une tribune au JDD. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas anticipé cette cette crise alors qu'on voyait que tout cela est sémé euh, en Europe D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit écouté en stéréo et pas en mono, euh, y compris dans la verticalité du pouvoir, premièrement. Deuxièmement, il faut qu'on arrête avec tous les, les cette technocratie qui veut nous inventer la machine à courber les bananes d'être de, 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 un tout petit peu plus près du terrain. Vous voyez ce que fait Gabriel Attal Lui vient sentir le cul des vaches là. Lui vient écouter. Je dire que son, sa prédécesseur ne le faisait pas. Je dis pas ça, on est tous responsables monsieur Dupont. On est, ça fait ça fait 7 ans que j'explique au président de la République qu'il y a eu les gilets jaunes, qu'a fait le président de la République, il est derrière allé faire le grand débat national, le tour de France, il continue les, les séquences. C'est ça la vérité du terrain. C'est une politique en creux de l'exercice du pouvoir depuis 2017 que vous êtes en train de nous faire d'un pouvoir qui est déconnecté monsieur Dupont, qui est pas de, Mais monsieur Dupont pas depuis 2017, hum. depuis 20 ans. Vous pensez que la crise agricole elle, elle date depuis avant-hier hum. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Et on pourrait prendre le sujet de l'immigration, on pourrait prendre le sujet des, des retraites. À un moment donné, il, faut, il ne faut pas fuir ses responsabilités. Oui, il faut aller en prendre plein la figure sur le terrain. Et c'est ce qui se passe. Et ça fonctionne. Et puis s'inspirer un peu de ce que font les maires. Vous voyez, les maires, ce sont les personnes les plus plébiscitées de ce pays. Ils sont pas écoutés ou peu écoutés. Il est temps que ça change. Alors, Karl, le livre pour être très concrète, puisque le, le Gabriel Attal, on va suivre ce déplacement, va arriver dans quelques instants, on va voir ses images. Il est attendu sur place dans cette euh, exploitation bovine en, en Indre-et-Loire, c'est le village de chissot c'est euh, 500 euh, euh, âmes. S'il y avait une mesure, une mesure à annoncer pour vous, l'élu, euh, l'ancien maire, le, le député, quelle serait-elle Quelle mesure aujourd'hui et de nature à apaiser cette colère Et puis on passera au cadre européen dans quelques instants. Que le monde agricole soit payé au juste prix. Je reprends cet exemple. Un litre de lait produit à Spézette-Finistère-Sud, 49 centimes. Revendu, 42 centimes. Dans euh, les, les rayons de marché, la vente du, du litre au lait à peu près 1,20 euro. Mais on, vous ne pouvez pas vivre à crédit comme ça toute la vie. Avant même d'avoir commencé la partie, vous savez que vous l'avez déjà perdue, les agriculteurs en France ne réclament pas d'être mieux traités ou moins bien traités. Ils veulent être traités normalement, avec des règles qui soient les mêmes pour tout le monde. Et là, c'est vrai que nous, il faut qu'on se serve un peu, euh, l'écoute un peu plus et qu'on ne s'affranchisse pas des règles et qu'on ne soit pas... Euh, Bruno Le Maire, à juste titre, a fait une proposition avec les acteurs économiques dès que dans On la suggestion puis derrière d'être dans la de... prévention aujourd'hui il faut être euh, eh bien dans la dans la punition dans la... de ces deux mais ben oui de, dans ces dans qui... de ces industriels dans ben oui. la punition de ces industriels il faut passer à la vitesse supérieure bien sûr qu'il faut passer à la vitesse supérieure évidemment bien sûr qu'on a trop tardé on a trop tardé parce qu'on a été dans un contrat gagnant gagnant on a été dans un pacte de confiance et certains n'ont pas joué le jeu je pourrais parler, parler aussi non pas des super profits mais des super profiteurs des super profiteurs vous pouvez les citer. Non mais, les industries. Euh, non, mais je sais qu'il ne s'agit pas de les pointer du temps, mais enfin, si vous dites chacun doit balayer, je devant pense sa que porte. dans ce pays, il doit le plus balayer aujourd'hui. Si Sonia Mabouk, dans ce pays où on est capable de faire un contrôle, un contrôle quasiment tous les ans ou les ans et demi sur les 230 000 fermes, on doit être quand même capable de faire quelques contrôles pour les six centrales d'achat qui existent dans ce pays. Ça ne va pas être compliqué. Mais c'est pas justement de jouer les voyous. C'est simplement de dire la confiance n'exclut pas le contrôle. Alors, vous avez évoqué une mesure payée au juste prix. Vous avez aussi évoqué l'empilement le, normatif. Euh, C'est imaginable à court terme d'engager une dynamique de réduction normative pour redonner de l'oxygène aux, aux agriculteurs C'est marrant ce que vous me dites, monsieur, parce que quelqu'un m'a dit la complexité de la simplification. Non, mais. Ça va être compliqué de simplifier, mais il n'y a rien de compliqué du tout. Il y a un choc de simplification vous qui le va durer. Non mais là, gars, vous, a... oui. Alors moi, je veux bien qu'on se donne rendez-vous dans un mois, parce que Gabriel Attal, là, a décidé pendant ce mois-ci, avec les préfets et les remontées de terrain, d'être dans la simplification. Et on va voir un choc de simplification qui va se mettre en place. Et on sera jugé sur les résultats on sera jugé sur les résultats. Enfin, excusez-moi, encore une fois, euh, c'est pas un magicien Gabriel Attal. En revanche, euh, il retrousse les manches, il va sur le terrain, il va écouter, il va s'en prendre comme les maires. Il va être à portée d'engueulade, comme le dit le, le, le président Larcher. Euh, et je pense que ça va nous faire tous du bien. Et puis j'appelle aussi les collègues ministres, j'appelle les collègues députés, ah. j'appelle les collègues élus, pareil, de se retrousser les manches. Ça, ça fait du bien de sentir qu'on n'est pas tout seul de temps en temps. Vous dites... ah, euh, est intéressant. On est il pas faut sur le au front auprès de ce Premier ministre que l'on voit ici à l'image en direct, en déplacement dans cet exploitation bovine en Indre et Loire, dans ce village de Chisseau, On écoutera dans quelques instants les, les, les échanges. Est-ce que tout cela peut intervenir sans rien toucher au cadre européen Car le livre, on va en parler en, en détail. Vous, vous dites que Gabrielle Attal n'est pas un magicien, mais elle est où la baguette magique Est-ce qu'elle n'est pas à Bruxelles aujourd'hui Bruxelles a aussi sa part de responsabilité et on a aussi notre part de responsabilité par rapport à ce que vous, vous nous infuser, je dirais, je dirais l'Europe. Mais pour autant, oui, moi je suis favorable à la, à la politique agricole commune. On bénéficie de 7,5 milliards ou 9 milliards d'octroi de, de, de Alors, la PAC, c'est plus important. Effectivement, euh, oui. pardonnez-moi, c'est ce qu'a dit, ce qu dit le Premier ministre. Il a dit sortir de l'Europe, c'est vous priver, en parlant aux agriculteurs, de 9 milliards d'euros par an. Vous reprenez exactement ce, ce discours Non, ça, ce, sont des, ce sont des faits. Je dis simplement que euh, se priver de l'Europe, c'est derrière aussi se priver d'exportation euh, lorsque euh, la filière euh, bovine représente 35%, la filière laitière représente 55%. Euh, Donc, euh, le, le problème, ce n'est pas l'Europe. Ben C'est un des sujets, l'Europe, Monsieur Dupont. C'est un des sujets, notamment par rapport aux achères, où on vient imposer aux agriculteurs 4% de leur surface euh, totale, alors qu'on pourrait euh, éventuellement s'en priver. Je vous donne un autre exemple. Soyons concrets sur euh, l'obligation de déclaration euh, des prairies, euh, qui, des, des, des retournements de prairies qui ont plus de cinq années d'existence anti-économique, euh, anti-écologique. Euh, anti euh, Là encore, il faudrait peut-être un peu Olive, de simplification. Euh, on, on dirait que vous êtes en train de dire, et peut-être <laughs> à raison, euh, il faut dire merci à l'Europe pour la PAC, mais la France est un grand contributeur aussi de l'Europe. Pourquoi Est-ce qu'on ne le rappelle pas également Mais oh, il faut le rappeler, vous avez raison. Il faut le rappeler. Il faut rappeler aussi que si demain, euh, euh, on veut surprotéger, on veut effectivement euh, fermer euh, les frontières, je, je, je vais vous mais, rappeler juste que dans le Médoc, il euh, y a une bouteille sur deux qui part à l'exportation. Qu'est-ce qu'on fait demain on, mais que je on vire une rangée de, une rangée de, de, de vignes. D'un côté, il y a la PAC, mais ensuite, il y a ce qu'on appelle le fameux Green Deal il y a l'appel à, presque à la décroissance pour les agriculteurs européens. L'Europe, ce n'est pas que la PAC euh, dans les circonstances. Les, les, les normes qui s'empilent, qu'on évoquait, ça vient beaucoup de l'Europe en tant que telle. Donc peut-être que la critique de l'Europe, des agriculteurs, même quelquefois, c'est pas contre la PAC, mais contre le côté très, très, très technocratique. Bah, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, Monsieur Bock, c'est-à-dire que les agriculteurs, ils veulent aussi mettre fin à, à toutes ces normes où on a l'impression qu'on vient compliquer là où on, on pourrait faire faire plus simple. C'est ça leur volonté. Et vous savez quand on rencontre les que vous êtes agriculteurs le aujourd'hui, par faire, faire le livre. Pardonnez-moi parce qu'il faut faire pression dans ce cas-là à, à, à Bruxelles. parce Mais... qu'aujourd'hui, on a les moyens et la volonté politique de bousculer le cadre européen. Alors écoutez bien, je pense que dans les prochains jours, il y aura également des, des éléments de réponse sur ce que vous dites de la part de la part du gouvernement et du président de, de la République. On peut pas rester les bras croisés. J'entendais ce matin sur sur une sur vos ondes le fait qu'aujourd'hui nos génies pharmaceutiques dispensent des antibiotiques pour pour les poulets qu'on va qu'on interdit ici, mais qu'on va envoyer par exemple au Brésil et le Brésil importe des poulets ici en France qui sont effectivement entre guillemets prémunis grâce aux antibiotiques françaises. Mais on marche sur la tête. Même si les gens vont bien, on marche sur la tête. Stéphane Dupont. Oui. Euh... Vous parliez de l'Europe. Vous disiez que le gouvernement veut se faire entendre à Bruxelles, mais sur l'accord de libre-échange qui est en négociation avec le Mercosur, la France dit depuis des années que c'est un mauvais accord, qu'il ne faut pas le signer. Pourtant, les négociations continuent comme si de rien n'était. Pas comme si de rien n'était, Monsieur Dupont. Mais encore une fois, je pense que c'est trop facile. Encore une fois, le ce c'est pas en, en un claquement de doigts. Effectivement, et on s'aperçoit aujourd'hui parce que ça nous ça nous saute comme ça en pleine figure, et d'autres sujets nous tomberont en pleine figure. Mais de grâce, on se met autour de la table. On discute franchement, mais... On met un autre logiciel en place. On va d'abord écouter les principaux acteurs. Est-ce que la Je France pense est ça... entendue à Bruxelles Est-ce que la France pèse encore aujourd'hui à Bruxelles Mais bien sûr qu'elle pèse à Bruxelles. Peut-être pas suffisamment, mais elle pèse à Bruxelles. Et encore une fois, quand vous êtes avec 25 ou 26 alliés autour de, de, de la table, c'est pas une imposition oui. qui va faire que du jour au lendemain vous allez pouvoir obtenir ce que mais les Français. L'exécutif affirme justement que euh, le traité du Mercosur n'aboutira pas. Car le livre on est un peu dubitatif. C'est-à-dire, on nous dit qu'il y a des pressions qui sont exercées. Les négociations se passent en ce moment. Je rappelle que c'est le traité de libre pour échange avec l'Amérique du Sud, où est-ce qu'elles sont ces pressions? Est-ce que est-ce qu'en ce moment, on est en train de, de tenter de trouver une coalition de pays pour euh, faire euh, échouer ce, ce, ces accords, ces négociations Je pense qu'à l'heure où on se parle, y compris euh, en coulisses, il y a des réunions qui, euh, qui ont lieu pour euh, trouver, je dirais, le, le consensus qui euh, satisfasse le, le plus grand nombre, euh, effectivement. Euh, on aura peut-être des nouvelles d'ici la fin de semaine, mais je dis souvent que je ne vais pas donner l'arrivée du tiercé avant la fin de la course. Hein. Ça veut dire que le président euh, de la République va s'impliquer personnellement Je pense lui, que le président, dans le, le, cadre le, le président de la République, il s'implique euh, à l'heure où on se parle. Parce qu'il s'implique sur le sujet parfaitement. Vous avez utilisé une formule forte, vous avez dit on doit changer de logiciel. Bien sûr. Par lequel quel est le nouveau logiciel eh Ben sentir le cul des vaches, monsieur je Ouais, d'accord, ça c'est une image. Non, non, c'est pas une image. Ah, ah oui, oui, c'est une image, oui évidemment. Oui, oui, oui c'est une image. Vous avez raison. C'est euh... un, hein, euh... un peu court, non Sentir le cul des vaches, c'est bien d'aller dans les exploitations agricoles, mais euh, ils attendent d'autres choses, les agriculteurs, non je... ah, mais... Il y a l'amour et il y a l'épreuve d'un. Oui, oui. Non mais, faut pas dire ça, monsieur Dupont. parce que je trouve que c'est assez condescendant là, ce que vous dites. Euh, euh, quand on parle de sentir de logiciel j'ai été maire pendant euh, pendant huit ans. Euh, de terrain, je suis pas un professionnel de la politique, je suis un professionnel du terrain. On a été réélu au premier tour avec. Son 75 Voici, c'est le calque de la France. C'est 40 000 habitants, c'est des QPV, c'est effectivement y compris des, des agriculteurs euh, producteurs. Faut pas dire ça. Faut pas dire ça. C'est un peu court. Non, c'est pas un peu court. C'est la réalité du terrain. C'est comme ça que ça se passe sur le terrain. Moi, il n'y a pas une décision qui n'a été prise sans qu'elle soit validée par les acteurs de terrain. Quand on prépare nos réunions nos euh, conseils municipaux dans les quartiers tous les mois, je vous dis pas qu'il ne faut pas aller sur le terrain, mais vous, vous allez de dire que c'est la réponse à tout. Ben, je pense que ce n'est pas la verticalité, c'est pas je décide et vous exécutez. C'est très fait intéressant, compte. car vous dites qu'il faut être au plus près du terrain, qu'il faut sentir le cul des vaches, qu'il faut comprendre surtout, je veux dire, charnellement. La France des, des paysans. La France. Il faut aimer la France. Et en même temps, euh, l'Assemblée nationale, le bureau de l'Assemblée nationale, et pour être très précise, euh, ce n'est pas une augmentation de, de, de salaire, mais ce sont des frais de mandat. Donc opte pour une augmentation de 300 euros des frais de mandat des parlementaires. Là, les bras nous en tombent au moment où il y a cette crise. Qu'est-ce que le, le parlementaire que vous êtes euh, en pense Je suis tombé à l'envers. Ah. Je vous le dis, je suis tombé à l'envers et je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je suis tombé à l'inverse parce que justement, Monsieur Dupont a raison, là on parle, c'est un, un, un peu court. Oui, c'est un peu court de prendre des décisions en réunion de bureau sans que les, les députés soient même sensibilisés en réunion de groupe. Si on avait eu cette, cette décision ou cette potentielle décision en réunion de groupe d'augmenter l'avance des frais de mandat de, de 300 euros, on, on, on aurait été un certain nombre en disant, est-ce que c'est le bon moment Parce qu'effectivement, le prix de l'énergie ne s'arrête pas aux frontières de l'Assemblée nationale. Moi, j'aurais eu une proposition à faire. Mais plutôt que de mettre 300 euros d'avance de frais de mandat, mettez-la dans une petite besace qu'on appelle la réserve parlementaire. Et j'aurais pu aider pour récupérer des bassins de, de récupération d'eau de pluie dans les écoles comme je peux le faire. Je ne peux pas le faire aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de réserve parlementaire. Alors, oui, je pense. Vous êtes pour le retour de la réserve parlementaire. C'est une connerie. Je suis pour le retour de la réserve parlementaire. Parce que contrairement à tout ce qui a été dit... c'est décrit comme un, un, un instrument de, un peu clientéliste. Ou mais euh... tout, vous voyez, tous ceux qui disent ça sont ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de cela. Alors Nous, je vais vous dire, on oui. a la haute autorité de la transparence de la vie publique. On a le déontologue qui est là. Moi, je vous garantis que les présidents d'associations qui font des fêtes de village, qui ont besoin d'un barnum, aujourd'hui, ils ne peuvent pas se l'offrir. Les, les institutrices, les directrices d'école, et je parle de vécu, à ben dans la 12e des deuxième circonscription des Yvelines qui font des jardins partagés ont besoin de 1000 euros Monsieur Dupont 1000 euros les on ne peut pas, pas aujourd'hui et moi je serai le premier à leur offrir on ne peut pas le faire réglementairement la réserve parlementaire pourrait le faire et puis derrière on fait des petits contrôles inopinés et puis ceux qui mettent les mains dans la confiture clac on leur retire complètement la réserve parlementaire, parlementaire. c'est pas compliqué c'est un peu court, mais c'est la réalité de terrain. Euh, carl que allons plus loin. Euh, vous avez été maire, un maire emblématique de la ville de, de Poissy, vous êtes député. Est-ce que certains militent pour le, euh, le retour du cumul des, des mandats Parce que c'est une manière d'être plus proche du, du terrain, de bien connaître, évidemment, à la fois et d'avoir cette casquette de maire et de, et de parlementaire. Est-ce que vous y êtes favorable bah, Non seulement je suis favorable, mais je peux vous dire quelque chose, Sonia Mabouk. Je ne vais rien lâcher sur le sujet. Ce n'est pas pour me faire plaisir. C'est juste que quand vous avez en 2012 250 maires députés à l'Assemblée nationale et qu'aujourd'hui vous en avez zéro, il ben a un juste, il y a un juste milieu. Quand on parle de déconnexion du terrain, et, et je ne montre pas euh, les députés qui viennent de la société civile à ceux qui ont été maires, mais à, à encore une fois, euh, toutes les, les expérimentations que j'ai pu faire en tant que maire et qu'aujourd'hui je tente modestement de mettre en place à l'échelle du pays, je vous en donne une les deux heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail par semaine à Poissy, amélioration des conditions de travail, baisse de l'absentisme, deux millions et demi d'économies. C'est quelque chose qui est très concret. Et je pense que le Premier ministre doit pouvoir l'entendre aussi, cette expérimentation de terrain avec les maires. En tout cas, ce qu'il est en train d'entendre, ce sont les revendications de ces agriculteurs, ces paysans. On va l'écouter. 2015, ça a été interdit. C'est européen l'interdiction Mais alors, comment on explique Ce que dit monsieur, c'est qu'il y a des pays. qui a été mise sur le 10 mW en 2015. Et depuis 2016, c'est une interdiction européenne. Donc, on le même sujet que le Donc, parfois, il y a peut-être des contournements et de la fraude. Les choses, mais globalement, c'est interdit. Officiellement, dans les pays qui étaient cités, vous citez l'Italie, je crois. Ouais. Officiellement, il est interdit. Est donc Là, c'est plus un sujet de contrôle et de lutte contre la fraude qu'un enjeu d'interdiction dans les autres mmh. pays européens. Mais j'entends, c'est un sujet dont on parle, moi, partout non, je me déplace. C'est vrai, sujet. vrai on, on importe 40 de nos fruits et légumes. Ouais, sûr, donc ça, c'est vrai, vrai. vrai. Ah, ça, ça a été dénoncé. Ça, il faut qu'on avance là-dessus. C'est pas possible. Il y a d'autres molécules où vous êtes Le basta, par exemple, qui a été interdit. Bon, mais tout ça, on a trouvé des. Qu'est-ce que vous voulez De toute façon, il faut avancer. Donc on Alors, avance. Hein. Faire, on trouve Mais... des solutions par, par l'absence. On, on, enfin, on trouve des solutions. Non, il y a des productions où on ne trouve pas de solution. Euh, certaines productions, par exemple, haricots de solan, est une, une molécule qui, est inter, qui rentre en interdiction à partir de cette année sur le désherbage. Et il est évident qu'on n'a enfin, pas de substitution. Rien que dalle, Rien. Donc progressivement, ce sont des productions qui quittent le territoire, euh... département, région et qui vont ailleurs. Alors après, euh, le monde s'approvisionne en semences de haricots, par exemple. C'est pas, ouais. pas le problème. Mais ça veut dire que c'est de la valeur ajoutée. Euh, ce sont des créneaux sur lesquels, en fait, on peut développer euh, de la technique ou d'autres aspects qui, qui donnent un peu d'attractivité dans, dans le métier, sur cet exemple précis. Mais c'est un exemple. En fait, mmh. euh, on a les néonicotinoïdes sur les betteraves. Vous connaissez mmh. le problème. Bah, euh, bah oui, d'ailleurs, on a réautorisé pour les betteraves... On, hein, par dérogation, usage, de manière aussi. dérogatoire. Donc on sait très bien qu'une déro... Enfin, du dérogatoire, c'est pas, pas fait pour durer. Bon, et euh, dans le même temps... Euh, en Allemagne, on continue à faire des, des travaux avec des néonicotinoïdes, sans dérogation. Enfin, on est dans, ces, dans cette complexité. Sur le terrain, c'est reçu comme des aberrations, des zones de non-compréhension. Ouais, J'entends totalement. Pourquoi euh, on nous dit on ne nous laisse, euh, on laisse pas sans solution euh, Quand la France euh, ne s'abstient euh, de voter à la réhomologation du glyphosate, on ne comprend pas très bien sur le terrain, on n'a pas de solution. Lindra okay. a travaillé sur le dossier, ok. Mais c'est pas parce qu'on a travaillé sur le dossier qu'on a les solutions. les solutions. On sait très bien que sur ce, ce dossier-là, c'est plus de travail de sol, plus d'utilisation de, de, de carburant, plus d'émissions de CO2, fertilité des sols. Quand on travaille des sols, en fait, on s'aperçoit aujourd'hui, via l'aspect agroécologique, en fait, on diminue la fertilité des sols. Donc, en fait, on... Ouais, on... On marche à l'envers. Enfin, euh, c'est incompréhensible mmh. sur le terrain. Mmh. Sur la tête, sur la tête oui, ouais, En attendant la, la réponse non. du Premier ministre Gabriel Attal, vous l'avez entendu, il est interpellé, le Premier ministre, dans cette exploitation bovine sur les produits importés. À ce sujet, Carl Olive, au Parlement européen, le groupe de la majorité, de votre majorité, Renew, a voté, par exemple, pour l'accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande. Accord eh bien, qui va faire arriver massivement il euh, y a des agneaux du lait etc certains vous accusent d'un double langage à paris proche des agriculteurs de la paysannerie à bruxelles eh bien c'est pas grave à gogo les accords de libre-échange pour autant, ça n'empêche pas que même s'il y a effectivement euh, ces accords où qu'on va effectivement sur du, du, du libre-échange, hein, et qu y a libre -échange qui est un libre-échange qui est assumé, mais il faut que ce soit un libre-échange qui soit assumé, mais conditionné. Euh, je regardais un tout petit peu les statistiques 70% des cultures de fruits, enfin des récoltes de fruits et 30% des, des légumes euh, consommés en France viennent euh, finalement de, de l'exportation. Euh, pourquoi parce qu'encore une fois, on a un empilement des complexités et qu'on impose. Et merci les ayatollahs de, de, de l'écologie d'être passés par là. Les ayatollahs de l'écologie Ah, bah écoutez, c'est sûr qu'entre les Khmer verts et les Khmer rouges. C'est ce que il nous a... avons en France ah ben, mais il suffit de poser la question aux agriculteurs et vous allez, avoir, vous allez voir leurs réponses. Encore une fois, on parlait du bio et c'est très bien le bio, mais il faut aussi que nous assumions tout cela. Est-ce que votre gouvernement ne fait pas aussi du zèle en matière de transposition On parle de surtransposition des règles européennes qui, des fois, la France veut être en pointe sur un certain nombre de réglementations, notamment environnementales parce que le gouvernement a pas aussi sa part de responsabilité. On a tous, vous avez raison, Monsieur Dupont, on a notre part de responsabilité, et il est temps, effectivement, non plus d'interpréter les règles. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, mais de, de les sinon, de les appliquer. Sinon, on dirait que vous êtes en train de dire, car vous qui avez prévenu, et votre présence était pertinente en ce jour. Vous aviez alerté hein, sur cette crise agricole. Sinon, que va-t-il se passer Est-ce que vous pensez qu'on touche là du doigt la fin d'un système et une colère vraiment prégnante. D'abord, moi, je ne je, je suis absolument pas là en donneur de leçons. J'essaye modestement d'apporter la contribution euh, de terrain. Et c'est l'objectif que, euh, que, que je veux partager euh, ici euh, avec vous. Euh, oui, de, de la frustration. Et oui, la nécessité absolue. Et je pense que la présence de Gabriel Attal sur le terrain. Mais encore une fois, le Premier ministre, il va être jugé sur euh, ses résultats, comme ça s'est passé euh, pendant six mois au niveau de l'éducation euh, nationale. Il sera jugé euh, sur ses résultats. Il faut que nous soyons jugés sur les résultats. Mais encore une fois, euh, le monde agricole en France est au bout du rouleau. Et ça ne date pas d'hier. Euh, une personne qui travaille 70 heures, 80 heures, qui est aujourd'hui en retraite avec 980 euros de retraite, c'est compliqué. C'est plus que compliqué. Et ces gens-là ne se plaignent pas. Ils veulent être simplement payés au juste prix et avoir les mêmes conditions, pas mieux, pas moins bien traités. Mais euh, simplement, de, de votre point de vue, est-ce que tout est en train d'exploser en ce moment ou il y a encore une possibilité de rattraper la situation alors, vous avez raison. Je pense que le prochain, le, le, la prochaine cocotte-minute qui nous peint au nez, c'est ce le, 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 le sujet du logement. Euh, le logement, on est en pleine cocotte-minute euh, en France. Euh, il faut évidemment prendre ce sujet à bras-le-corps. Je dis souvent, moi qui euh, adore la mixité sociale, celle qu'on a pu mettre en place notamment euh, à Poissy, euh, qu'il n'y a pas de mixité sociale, on en a déjà parlé, M. Bock, sans mixité euh, de logement, et qu'avant l'urgence du peuplement dans nos quartiers, il y a l'urgence du logement, si on peut encore une fois épargner les constructeurs les promoteurs si on peut faire un contrat gagnant gagnant avec les banques ça ira beaucoup mieux dans ce pays et puis si on peut arrêter les injonctions paradoxales il faut construire mais finalement mettre des normes encore un peu plus importantes pour dissuader les constructeurs les promoteurs et les élus politiques euh, pour conclure aussi, Carl euh, Olive, le Premier ministre va tenir son discours de politique euh, générale dans, dans quelques jours. Est-ce que tout cela n'est pas eh bien, écrasé par cette crise agricole Vous avez souligné que Gabriel Attal vient d'arriver à Matignon et comme disait Raymond Barr, il faut durer et endurer déjà une première crise profonde, importante. Vous qui le connaissez également, ce jeune Premier ministre est-il justement à la hauteur de ce moment particulier avec face à lui, on le voit sur ces images, une France profonde qui exprime des colères déjà depuis bien longtemps ancrées. Mme Mabou, quand Gabriel Attal a été nommé à l'éducation nationale, on s'est dit, qu'est-ce que ce gamin va faire à l'éducation nationale En six mois de temps, il a renversé la table. Euh, il a réussi à reprendre langue avec le monde enseignant et à mettre sur table des décisions qui, qui sont très importantes. Et c'est unanimement reconnu. Euh, J'ai aucun doute sur la capacité à Gabriel Attal, non pas de contourner les obstacles, la preuve c'est exactement le contraire, de se retrousser les manches et d'aller écouter et de prendre le pouls, c'est du pouls pardon, euh, c'est peut-être un peu court, mais de prendre la température du terrain. Parce que, comme le disait Jean-Jacques Rousseau dans son contrat social en 1762, les maisons font la ville, mais les citoyens font la cité. Qu'est-ce que j'attends du discours de politique générale D'abord de l'engagement et de la réciprocité entre les droits et les devoirs. Sur la valorisation du travail, il est encore inacceptable, Madame Abrouk, qu'aujourd'hui. Il y a toujours un intérêt à rester chez soi plutôt que d'aller travailler. Et ça, je veux l'entendre. Nous voulons l'entendre. Les Français vous lui dites veulent l'entendre. Il, il parle à la France qui se lève tôt, à la France qui travaille, à la France qui veut être payée, j'allais dire, à la, à au, la juste mesure, prix. au juste prix. C'est cette, à cette France-là que le gouvernement doit parler aujourd'hui. Je veux Et aussi qu'on Et la France métropolisée. Explique... Euh... Oui, oui. Je... Bah parce qu'on l'oppose. Oui, qu oui, hein, oui, oui, oui non, mais vous livres. avez raison. Moi, je veux simplement dire que nous avons un beau pays. Tout n'est pas parfait, mais la France est un beau pays. Et la France, il faut que nous l'aimions que nous la respections et que nous soyons sans état d'âme lorsqu'il y a des décisions à prendre, cette fameuse réciprocité entre les droits. Et les devoirs. Moi, je souhaite que Gabriel Attal soit acteur de son de son mouvement, de son gouvernement, et pas spectateur de ceux des autres, y compris de ceux qui nous entourent. À bon entendeur, et vous en êtes l'un des premiers soutiens. Carole, on vous remercie. Dans quelques instants, à votre place, un, un autre élu, vision très différente, bien sûr. Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national, je vous remercie. Merci aussi pour cet éloge hein, de la France des, des paysans. On va écouter justement Gabriel Attal dans cette exploitation bovine, et puis place à notre second invité dans quelques instants. Euh,